Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin le port multiservice de Doralé ou Doralé Multipurpose à Port. Et le Royaume-Uni donc qui renforce son niveau d'alerte. L'armée a été déployée, mon réponse dans ce journal. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donc inauguré ce matin le port multiservice de Doralé. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui avait à ses côtés le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général du port de Djibouti, M. Saad Omar Guelleh. Du gouvernement, du Parlement, les officiels et hauts responsables du pays, les chefs d'état-major et officiers supérieurs des forces armées, de police et de sécurité étaient également présents à cette cérémonie. Les diplomates accrédités à Djibouti, les représentants des organisations internationales étaient aussi sur place pour constater l'importance des investissements consentis et qui vont booster l'économie nationale. C'est dans une ambiance festive, agrémentée de danses traditionnelles, de chants, des différents groupes folkloriques que le chef de l'État et la première dame du pays ont été accueillis. Le président directeur général du groupe China Merchant Company et deux invités de marque, en l'occurrence le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Di Farmaggio et le représentant spécial du Premier ministre éthiopien Haïla Mariam Desalegn, ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Puis après son arrivée et après avoir salué l'assistance que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la symbolique coupure du ruban marquant l'entrée en service d'une nouvelle infrastructure portuaire. La plus importante et la plus imposante sans doute. Ce port multiservice de Doralé pourra réceptionner près de 8 millions de tonnes de marchandises. Il dispose d'un terminal à conteneurs couvrant une aire de stockage de 94 hectares. L'investissement consenti pour cette gigantesque infrastructure, réalisée grâce à l'appui de la Chine et qui s'intègre dans le cadre du projet de la mise en place de la nouvelle route de soie, est de quelques 580 millions de dollars. Plusieurs discours ont marqué cet événement, dont le premier est celui de M. Saad Omar Guelleh, directeur de ce qu'était auparavant le port international de Djibouti, qui est en voie de démantèlement. L'écoute. L'histoire du port de Djibouti est liée avec le développement de la République de Djibouti, en effet depuis sa création de 1888. Le port de Djibouti a connu de grandes transformations et s'est développé au fil des conjonctures nationales, régionales et internationales. Il devient un élément catalyseur pour le développement de notre territoire et une escale privilégiée et le principal débouché pour l'Éthiopie. L'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui marque l'aboutissement des 3 années d'importants travaux de construction avec le soutien de l'autorité du port des zones franches de Djibouti, l'appui de notre partenaire China Merchant, le travail sans relâche de nos constructeurs China Civil Engineering et China State Engineering, sans oublier le financement de l'Exim Bank China. Véritable vitrine du Djibouti moderne et émergent d'IMP est doté d'équipements de dernière génération connectés à la fois au réseau ferroviaire et routier. Il se positionne comme une plateforme multimodale qui nous fournirons le moyen d'atteindre nos ambitions logistiques au niveau régional et international.
Et deux autres ont suivi, ceux du PDG de la China Merchant Group et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Ils ont tous deux évoqué le caractère et la finalité de cette infrastructure, ainsi que l'excellence des relations existantes entre Djibouti et Pékin.把吉布提建设成为区域航运中心的愿景，现在我们正朝着这个愿景迈出了最坚实的一步。吉布提将成为埃塞在内的经济体，提供高效的服务，使得吉布提成为腹地经济与腹地经济成为命运共同体，共同发展。 从2013年2月，招商局成为PDIC的股东那一刻时起，招商局的命运就与吉布提的命运紧密地结合在一起。我们是长远的合作伙伴，我们是命运的共同体。招商局信守着自己的承诺，吉布提政府也毫无保留地提供支持，我们的相互信任取得了世人瞩目的成果。我想说的是 ，DMP 项目只是我们合作的一个新的起点。C'est un projet lourd de signification, tant pour la République de Djibouti que pour les relations d'amitié et de coopération sino-djiboutienne. À cette occasion, je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations. Depuis l'établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes, la Chine a cessé d'accorder à Djibouti des assistances sincères dans la mesure de ses possibilités. Nous avons coopéré avec Djibouti pour réaliser de nombreux projets d'infrastructures tels que le Palais du Peuple, le Stade Hassan Bouled, le Centre de formation du ministère des Affaires étrangères, le bâtiment du CERD, l'hôpital d'Arta, ainsi des autres. La République de Djibouti, à son tour, nous a fait preuve de solidarité et de soutien dans de nombreux domaines. Ces dernières années, grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, un grand progrès a été enregistré dans la confiance mutuelle politique, la complémentarité économique et l'inspiration réciproque culturelle. Aujourd'hui, je suis encore plus heureux de voir que le projet du port d'Oral et polyvalent de Djibouti s'est bien achevé et que les autres grands projets comme le chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba, l'adduction transfrontalière de l'eau et la Bibliothèque nationale et le centre des archives de Djibouti avancent à un rythme soutenu selon le calendrier prévu. De plus, d'investissement direct à réaliser dans les années futures sur la liste d'attente. Cela illustre un bon élan de coopération entre la Chine et Djibouti. L'Éthiopie reste le principal bénéficiaire de toute nouvelle infrastructure construite à Djibouti. Plus de 90% de l'import-export éthiopien passant par nos eaux et ports. Voici donc le mot du représentant du Premier ministre éthiopien, Haïle Mariam Desalegn. We feel the commitment and the extraordinary that was 1917. The brotherly relation of our two sisterly countries has become a long way to have reached at a crucial chapter in recent history. Et l'hôte de la République de Djibouti qui a entrepris une visite officielle à Djibouti, Mohamed Abdoulaye Mohamed Farmadjo, a également salué cette performance économique. It's my Somali people. And that's why we wanted to commit three main purposes and three main issues which we promised during our campaign, which is to fight corruption and extremism and poverty. And that's the three main goals we wanted to achieve at the end of the 4 years of our term. Et le président de la République a conclu cette série d'interventions en rappelant ses ambitions et objectifs voulant transformer Djibouti pour être en pointe en matière de transport, de logistique, de communication et dans tous les autres services. On l'écoute. Ar-Rahman, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
Mesdames et messieurs, je voudrais en avant-propos, au nom du peuple de Djibouti, de mon gouvernement et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue au président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent parmi nous. La Somalie occupe une place particulière dans le cœur et la mémoire des Africains. Et en ce moment où notre pays s'apprête à célébrer le quarantenaire de son indépendance, cet attachement prend toute sa forme dans la reconnaissance éternelle de la nation au soutien apporté par la Somalie durant les années de lutte de libération. Avec la Somalie, nous avons en partage une histoire, un socle commun de valeurs culturelles, et ensemble, nous faisons partie de la grande famille de la Corne de l'Afrique. Une famille, certes, avec ses meurtrissures, mais une famille qui n'a pas d'autre choix possible, ni de salut possible, que celui de devenir, pour tous ses enfants, le creuset d'une réalisation collective, d'un destin commun. Ce destin commun se traduit par la pleine reconnaissance de l'interdépendance des pays de notre sous-région, tant sur le plan sécuritaire et humanitaire. C'est également l'intégration économique et la mutualisation de nos ressources, condition sine qua non pour répondre à la logique de compétitivité nécessaire à tout développement. Dans cette équation, les infrastructures font partie du patrimoine commun, car ce sont des ponts jetés entre les peuples. Pour Djibouti, je me réjouis que l'année 2017 ait été féconde en matière de réalisation. Précédemment, nous avons relancé avec une joie particulière la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Il y a à nouveau une part d'émotion dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. En procédant en votre compagnie et aux côtés des acteurs qui ont aidé à sa réalisation, à l'inauguration du Dorale Multipurpose Port, fleuron de nos infrastructures portuaires, nous exprimons l'attachement de notre pays à sa vocation naturelle de hub logistique et de transport. Le DMP constitue donc un réel projet de compétitivité, car c'est un pas de plus vers l'élargissement et la diversification de l'offre portuaire et de la plateforme logistique de Djibouti. Ce nouveau port, adapté à des flux massifiés, va accroître significativement nos capacités d'accueil, mais aussi le traitement des différents types de bateaux et de marchandises. Dans ce cadre, Djibouti pourra se positionner en véritable plateforme multimodale dans la région. En effet, le développement des infrastructures, en même temps qu'il constitue un facteur d'accélération de la croissance des autres secteurs, donne une meilleure valorisation des potentiels du pays. Les autres aménagements portuaires en cours de réalisation auront ainsi pour mission principale de structurer la croissance économique autour des avantages comparatifs de notre pays. L'impact direct attendu, ce sera bien évidemment une augmentation du volume des échanges et un accroissement durable de la richesse nationale à travers la création d'emplois et la multiplication des activités connexes, facteurs de développement social. C'est donc un beau jour pour Djibouti, pour notre économie et celle de la région, de toute la région. Je voudrais, pour conclure, affirmer à nos partenaires du groupe China Merchant, et en particulier
au Dr Wu qui nous ont fait confiance sur le plan du financement, que nos ambitions sont aussi les leurs, car à nos côtés, ils sont non seulement les principaux acteurs de notre renouveau, mais également tout autant bénéficiaires des perspectives économiques réjouissantes qu'offre notre région du COMESA et plus généralement l'Afrique. Je vous remercie. Et le président de la République qui a poursuivi donc son discours a indiqué, je cite, Monsieur le président de la République de Somalie, c'est pour nous aujourd'hui un honneur et un grand jour, car depuis que vous avez été nommé président, c'est votre première visite ici en République de Djibouti. Votre reconnaissance vis-à-vis de notre pays quant à la restauration d'un État somalien souverain nous a énormément donc touché, a-t-il souligné. Quant à nous, nous réitérons et nous le répéterons, jamais assez, a indiqué le président de la République. Nous remercions la Somalie et en reconnaissant quant au détriment parfois de ses intérêts, la République de Djibouti, la République de la Somalie donc, s'est attelée et a lutté durant des années pour aider notre pays à donc retrouver son indépendance. Et juste après la coupure du ruban par le chef de l'État, le chef de l'État a visité avec ses hôtes la gigantesque installation. Il s'est rendu dans le salon VIP situé dans un bâtiment flambeau neuf. Ils ont ensuite assisté à la cérémonie de signature de deux accords relatifs à la construction de la seconde phase du port. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Hadi, et le PDG de China Merchant Group, Hong Lam Hong, ont donc paraphé ces accords. Par la suite, le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel le secrétaire général de la Cour d'arbitrage, M. Hag Siblezes. Cette instruction est chargée de régler les conflits économiques et commerciaux qui peuvent apparaître entre les grandes entreprises et les États. Le président de la Chambre de commerce et le ministre des Affaires étrangères ont assisté à l'entrevue entre le président de la République et le secrétaire général de la Cour d'arbitrage. L'entretien concernait notamment le rôle du pays dans le domaine de l'arbitrage comme un facteur de stabilité pour un développement économique. C'est un développement qui se fait dans le temps, c'est pas d'un jour à l'autre. Et donc j'ai évoqué aussi le rôle que mon institution, la Cour permanente d'arbitrage, puisse jouer dans ce contexte en assistant, en partenariat avec la République de Djibouti pour faire en sorte que les litiges éventuels qui se produisent normalement dans le cadre d'un développement économique puissent être réglés d'une manière efficace et crédible. Le président de la République a rencontré ce matin une délégation, donc une autre audience. Le président de la République a par ailleurs reçu ce matin une délégation de l'Union européenne qui va donc financer un projet de création d'une usine de désalinisation de l'eau de mer. Une convention allant dans ce sens a été signée ce matin entre les représentants de l'Union européenne et le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dowale, pour un montant global de 23 millions d'euros. Vous entendrez justement dans ce journal le ministre de l'Économie et des Finances. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles ont assisté à cette rencontre.
Et nous allons marquer une courte pause pour retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. La délégation qui a été reçue donc, par le président de la République, délégation de l'Union européenne, donc, a signé une signature d'accord, une signature d'un projet de création d'usine de désalinisation de l'eau de mer. Eh bien, une convention allant dans ce sens a été signée ce matin entre les représentants de l'Union européenne et le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Yasmoussa Dowalé, pour un montant global donc de 23 millions d'euros. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et bien plusieurs membres du gouvernement ont participé à cette signature d'accord. Très
qui vient de loin. C'est un projet important, c'est un projet qui a demandé beaucoup d'études, aussi de préparation, beaucoup de travail pour le mettre en phase, mais maintenant nous y sommes. Donc c'est un point important. Et nous continuerons à travailler aussi pour l'assainissement et aussi dans l'eau potable. Nous avons signé aujourd'hui deux autres conventions de financement, l'une pour l'assainissement et l'autre pour le développement et les capacités au milieu rural. Alors évidemment, tout ça demande des ressources aussi en eau, demande des capacités. Donc on va continuer à travailler sur ça en partenariat avec les autres partenaires de Djibouti. Mais c'est un projet important. Voilà, l'Union européenne qui participe aussi à un projet d'aide aux populations victimes des changements climatiques dans le cadre d'un programme dit de résilience. Écoutons les explications du ministre de l'économie et des finances. Vous le savez, depuis bien longtemps, nous faisons face à des difficultés, à des pénuries d'eau potable. Mais même la quantité limitée de l'eau que nous disposons est de très 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 mauvaise qualité. C'est ça qui a fait que le développement de Djibouti, la santé de notre population n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Ceci étant dit, je pense qu'avec ce projet que nous venons de signer avec l'Union européenne, ce financement qui est sous la forme de dons, va vraiment nous permettre de résoudre cette question. Mais ce n'est pas seulement pour une question de vie, il y a une autre vie qui est la vie professionnelle. C'est-à-dire créer de l'espoir à notre jeunesse, à ces jeunes, à ces Djiboutiens qui souhaitent avoir un meilleur bien-être. Et ce meilleur bien-être, il passe par le développement économique. Et le développement économique a besoin d'infrastructures. Et dans cette infrastructure, l'eau est d'abord la première fondation. Et je pense que c'est toutes ces questions qu'à travers ce projet, nous allons résoudre. Mais au-delà, en dehors de ce projet, nous avons signé deux conventions extrêmement importantes dans le cadre du 11e FED qui vont intervenir dans les mois et les années à venir avec un montant global d'environ 120 millions d'euros qui va concerner l'assainissement à Balbala, qui va concerner les conditions de lutte contre la pauvreté dans le milieu rural, la nutrition, mais également d'autres activités, y compris l'hydraulique rurale. C'est tout ça que le 11e FED va cibler et sur lequel nous allons travailler ensemble, main dans la main avec l'Union européenne. Et nous allons revenir donc dans le dossier de cette édition sur ce port multiservice de Ralé qui a été inauguré ce matin par le président de la République. C'est le dossier magazine de ce 15h, commenté par Ahmed Regardé. De par sa position géostratégique, la République de Djibouti, à travers son gouvernement conduit par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, met tout en œuvre pour renforcer ses infrastructures économiques, notamment dans le domaine portuaire avec le nouveau port multipurpose ou multimodal de Doralé. Pour rappel, c'était le 8 décembre 2013 que le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait procédé à la pose de la première pierre de ce méga-projet portuaire. Une société chinoise était chargée de la construction du port multipurpose de Doralé. S'inscrivant dans le cadre de la politique mise en place par le gouvernement de Djibouti concernant la création d'emplois pour les jeunes Djiboutiens, ce projet fut l'occasion pour des centaines d'entre eux de prendre part à la réalisation de ce méga-projet. Ce projet de construction du port multipurpose de Doralé, qui est d'une importance capitale, a été financé à hauteur de 400 millions de dollars américains. Afin de respecter le délai de construction, tous les moyens matériels et humains ont été mis en place. Sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan de construction, le port multipurpose d'Oralé est totalement différent des autres ports, car il est doté de 15 quais de 4130 mètres de longueur. Le port multipurpose est aussi doté des équipements les plus modernes et de dernières installations. Le port multipurpose de Doralé est aussi doté des équipements les plus modernes et de nouvelles installations pour accueillir les navires de dernière génération qui auparavant n'accostaient pas à Djibouti ont été installés. En outre, ce port peut également accueillir à l'occasion les petits et moyens navires. La réalisation du port multipurpose de Doralé permettra de créer des milliers d'emplois pour les Djiboutiens et Djiboutiennes. Le 16 août 2016, le port multipurpose de Doralé a réceptionné les matériels qui serviront pour le chargement et le déchargement des conteneurs et ses équipements de dernière génération sont conformes aux normes internationales. Et depuis cette date, le port multipurpose a entamé ses travaux et peut ainsi réceptionner à tout moment les gros navires de dernière génération.
Le 16 avril 2017, le port multipurpose a accueilli ses deux premiers grands navires de dernière génération qui ont chacun accosté au quai de ce nouveau port. Ces deux grands navires de dernière génération qui ont transité par plusieurs ports naviguaient sous les bannières de la Corée et des États-Unis d'Amérique. La capacité de l'un d'entre eux était de 59 705 tonnes alors que ce jour-là il transportait 17 912 tonnes de matériel. Ces navires transportaient des tonnes de véhicules et d'autres marchandises diverses et le déchargement s'est déroulé dans des bonnes conditions. En définitive, le port multipurpose d'Oralé, de par son nom et sa réputation, est un port qui est dorénavant en mesure de concurrencer les grands ports internationaux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour donc retrouver le reste de l'actualité.